Vous regardez Télétien, mesdames et messieurs, bonsoir et merci de suivre ce journal. À la une de l'actualité ce soir, le président angolais João Lourenço a dépêché ce matin son envoyé spécial ambassadeur José Diocumo Punacita à N'Djamena. Il est porteur d'un message au chef de l'État, général Mamad Idriss Déby Itno. On fait le point avec Asirana Matikar. Le Tchad et l'Angola sont dans la sous-région CAC l'exemple d'une parfaite coopération bilatérale et multilatérale. Les deux États se concertent régulièrement au sommet sur nombre de sujets d'intérêt commun, soit par échange épistolaire ou des visites d'État comme celle effectuée par le président du Conseil militaire de transition, général Mamad Idriss Déby Itno, à Luanda en juin 2021. Les relations d'amitié et de coopération Tchad-Angola appelés à se raffermir davantage sont certainement l'objet du message écrit du président angolais João Lourenço à son homologue général Mamad Idriss Déby Itno, dont est porteur ambassadeur José Diocumo Punacita, même si le contenu n'a pas été dévoilé. L'entrevue entre le chef de l'État général Mamad Idriss Déby Itno, entouré pour la circonstance de ses proches collaborateurs, et l'ambassadeur José Diocumo Punacita leur a permis de s'enquérir réciproquement de la situation sociopolitique de leurs pays respectifs. À sa sortie de l'audience, ambassadeur José Diocumo Punacita parle de l'évaluation positive des relations Tchad-Angola. La teneur du message, c'est la primauté à son excellence, mais en fait, d'une manière générale, c'est surtout venir transmettre l'évaluation que le président de la République d'Angola fait de la relation de coopération qui existe. Nous avons des exemples assez édifiants de cette coopération entre les deux gouvernements, des relations d'amitié entre les deux peuples. Et donc, c'est pour renforcer justement ces attentes que je suis venu. Pour le reste, il y a des équipes qui existent, qui vont continuer la réflexion pour obtenir les meilleurs résultats possibles en ce moment où il y a beaucoup de défis qui se présentent à l'Afrique et à la sous-région. L'Angola est l'un des soutiens forts à la transition en cours au Tchad. Il suit avec beaucoup d'attention les avancées de ce processus pour lequel il appelle la sous-région CAC à l'union sacrée derrière le Tchad pour le finir en beauté. Le ministre de la Sécurité publique et de l'Immigration, général Idriss Dokoni Adiker, a reçu ce matin l'ambassadeur chef de délégation de l'Union européenne au Tchad, Kurt Corneli. Au menu des échanges, plusieurs sujets liés à la sécurité nationale et internationale. Aman Isaac Azina. Le chef de la délégation de l'Union européenne au Tchad, l'ambassadeur Kurt Corneli, rencontre le ministre de la Sécurité publique et de l'Immigration, général Idriss Dokoni Adiker, qui était assisté de ses proches collaborateurs. Les deux hommes qui se connaissent bien ont échangé pendant près d'une heure d'horloge sur des sujets de l'heure, notamment la question de la migration illégale dont se préoccupe le continent européen, ainsi que de la réforme de la police nationale entamée par le gouvernement tchadien. Le ministre Idriss Dokoni Adiker a apprécié la nouvelle initiative de l'Union européenne pour endiguer le phénomène de la migration illégale. Pour l'ambassadeur Kurt Corneli, la détermination de l'Union européenne face à cette menace est sans équivoque. On a informé, monsieur le ministre, sur une nouvelle initiative de l'Union européenne en matière de la migration. L'Union européenne aimerait beaucoup plus régulariser la migration et de promouvoir la migration légale et de combattre la migration irrégulière. La rencontre entre les deux hommes a également permis de jeter les nouvelles bases des politiques migratoires tant prônées par le continent européen. Le complexe agropastoral et piscicole a remis ce matin au ministère du Développement agricole quelques échantillons de produits agricoles, échantillons constitués de blé, sésame, mil et haricots. C'était en présence de la ministre de tutelle, Kamouge Dene Assouma. Reportage, MBL. Installé dans la sous-préfecture de Linia, dans la région du Chari-Baguirmi, le complexe agropastoral et piscicole est un domaine privé créé dans le but de participer au développement de l'agriculture, l'élevage et la pisciculture au Tchad. Ces échantillons de produits agricoles témoignent de la volonté de ce complexe à contribuer à la politique du gouvernement qui consiste à réduire la pauvreté, créer de l'emploi et éradiquer l'insécurité alimentaire au Tchad. À l'heure actuelle, le Tchad est très engagé dans la diversité économique prônée par les plus hautes autorités.
en l'occurrence le général Mahamat Idriss Déby Itno, président du Conseil militaire de transition, président de la République, chef de l'État, visant à améliorer drastiquement les conditions de vie de nos populations. La ministre du Développement agricole Kamouge Dene Assoum a tenu à féliciter le directeur général du complexe, Hamid Djoumino. Elle lance un appel à l'endroit des différentes entités concernées à emboîter le pas de ce complexe. Et puis la chef du développement touristique et du département pardon du développement touristique et de l'artisanat Monira Hassabala reçu cet après-midi le vice-gouverneur de la BEAC Dieudonné Evoumekou au menu de leurs échanges les préparatifs des festivités marquant le cinquantenaire de cette institution prévue du 19 au 23 novembre prochain ici à N'Djamena. Le point avec la chef de Papa Désiré. Novembre prochain, N'Djamena, la capitale tchadienne, abritera le cinquantenaire de la Banque des États de l'Afrique centrale, BAC. Un événement de taille dont la réussite dépend d'une bonne organisation. C'est pourquoi, en visite de travail au Tchad, le vice-gouverneur de la BAC, Dieudonné Evoumekou, par ailleurs président du comité d'organisation de ces festivités, est venu recueillir les avis et orientations de la chef du département en charge du développement touristique, Monir Hassabala, afin de mieux préparer le jubilé d'or de cette institution sous-régionale. La ministre du Développement touristique, Monir Hassabala, rassure son hôte de la disponibilité du Tchad à abriter cet événement à la date prévue. Principale institution monétaire de la communauté de l'Afrique centrale, la BAC est créée le 22 novembre 1972 et regroupe 6 États membres. Après la présidence de la République hier, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République populaire de Chine au Tchad, Li Jingjing, arrivé en fin de mission, est allé faire ses adieux ce matin à la ministre de la Formation professionnelle et des métiers, Kassira Isabelle Ousnar. Varelaj. Au ministère de la Formation professionnelle et des métiers, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République populaire de Chine au Tchad, Li Jingjing, arrivé en fin de mission, rencontre la ministre de tutelle, Kassiri Isabelle Ousnan. Si les rencontres antérieures visaient à échanger sur des projets de développement, celle de ce 10 mai 2022, le diplomate chinois vient pour dire ses adieux. Pour lui, son séjour au Tchad a permis de signer des projets de développement avec le ministère de la Formation professionnelle et des métiers, avec un accent particulier sur la construction de l'école technique de formation professionnelle de Sadjiré dans la commune du 10e arrondissement, un cadre d'encadrement de la jeunesse tchadienne. C'est dans un climat de convivialité que l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République populaire de Chine au Tchad, Li Jingjing, prend congé de la ministre de la Formation professionnelle et des métiers. La ministre de la Formation professionnelle et des métiers, Kassiré Isabelle Ousna, a également supervisé ce matin le lancement officiel du recensement des agents de son département. À travers cette initiative, le ministère entend maîtriser le nombre exact de son personnel. Nous retrouvons Varelaj. C'est doté des récapitulatifs des agents. C'est l'objectif que s'est fixé le ministère de la Formation professionnelle et des métiers. Sous le regard bienveillant de la ministre Kassiré Isabelle Ousnan, la direction des ressources humaines et de l'informatique envisage, au terme du recensement, maîtriser l'effectif exact du personnel. Nous commençons par les services centraux, c'est-à-dire toutes les directions existantes, toutes les structures existantes au ministère, plus le centre de formation professionnelle, technique et professionnelle et les conseillers d'orientation qui exerce au compte du ministère de la Formation professionnelle. Ce recensement des agents du ministère de la Formation professionnelle et des métiers fait suite à un constat du nombre pléthorique du personnel, ce qui fausse les données lors des paiements des salaires à la fin des mois. Le document de mise en œuvre de la stratégie nationale de la zone de libre-échange continentale africaine est soumis à l'appréciation des participants pour sa validation. C'est à la faveur d'une session de formation ouverte ce matin par le ministre du Commerce et de l'Industrie, Ali Djada Kampar, en présence de quelques membres du gouvernement. Guillaume Benguiri. Politique d'intégration commerciale, le document de la stratégie nationale de mise en œuvre sur l'accord de la zone libre-échange continentale africaine, ZLECAF est soumis à l'appréciation des experts pour sa validation. Ce document, une fois validé,
présentera des principes sur lesquels le Tchad va fonder ses actions politiques afin de faciliter une meilleure intégration commerciale du pays aux marchés continentaux et de promouvoir le développement des chaînes de valeur régionales. La stratégie vise à renforcer les mécanismes institutionnels qui permettront d'assurer une mise en œuvre réussie et opportune de la ZELECAF. Elle veille à ce que les actions en faveur de l'accélération de l'insertion du Tchad dans le commerce intra-africain restent compatibles et en harmonie avec les autres politiques et stratégies déjà en place au Tchad. Les différents partenaires techniques et financiers présents à cet atelier réitèrent le soutien de leurs institutions à accompagner le Tchad à se doter d'une stratégie qui contribuera à ouvrir les marchés sous-régionaux aux produits et services tchadiens. Cet atelier est également l'occasion pour les participants de renforcer leurs capacités sur les différentes thématiques dans le contexte de la ZELECAF. Le ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de l'Entrepreneuriat, Mahmoud Ali Seydi, est allé visiter successivement ce matin le stade Idriss Mamad Ouya en réhabilitation, le stade municipal de Paris-Congo ainsi que le stade de Digel. Une visite qui a pour but de faire un état des lieux de ces infrastructures sportives. Innocent Kilayo. Démarré en mois de février dernier, les travaux de la réhabilitation du stade Idriss Mamad Ouya sont exécutés à 20% selon les estimations de l'ingénieur des travaux. Sur le chantier, les travaux sont beaucoup plus concentrés sur l'extension de deux nouvelles tribunes qui doivent contenir 16 000 places assises et les vestiaires. Le ministre en charge du département des sports, Mahmoud Ali Seyd, a fait le déplacement pour constater l'état d'avancement des travaux. Donc nous avons constaté que les travaux évoluent convenablement par rapport au cahier des charges initialement prévu. L'élargissement du stade aussi évolue très bien. On veut augmenter la capacité en nombre de places de ces stades-là. Et ce travail est en train d'être effectué. On aura plus de 6335 de places supplémentaires. Et il y aura également des travaux qui vont ramener le stade à être en conformité avec la réglementation internationale. Le ministre des Sports insiste sur le respect du délai d'exécution des travaux qui est prévu pour 12 mois. L'armée Mohamed Idriss Déby Itno compte beaucoup sur la finalisation dans les délais de ce stade-là. Et c'est pourquoi nous sommes venus ici transmettre ce message-là à ceux qui sont en train d'exécuter les travaux pour leur montrer l'importance que les pouvoirs publics accordent à la réalisation de ce travail tout en respectant les normes et surtout la réglementation internationale en matière d'aire des jeux, en matière de stades omnisports. Donc bientôt ici, les habitants d'N'Djamena vont renouer avec les entraînements au niveau de leur mythique stade Idriss Mamad. Après le stade Idriss Mamad Ouya, le ministre Mahmoud Ali Seyd s'est rendu ensuite au stade municipal de Paris-Congo et celui de Digel. Au stade de Digel, le chef de département du sport a constaté que ses infrastructures sont en état de délabrement avancé. Après cette descente sur le terrain, le ministre Mahmoud Ali Seyd a reçu l'ambassadeur de la République algérienne démocratique et populaire, Amor Frita. Plusieurs sujets d'intérêt commun étaient au centre des échanges. Le compte-rendu est signé Gangacham Irima. L'ambassadeur de la République algérienne démocratique et populaire, Amor Frita, rencontre le ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de l'Entrepreneuriat, Mahmoud Ali Seyd. Il s'agit pour le diplomate algérien accrédité au Tchad, en décembre dernier, d'étudier la possibilité de renforcer les liens de coopération entre son pays et le gouvernement de transition. Pour le diplomate algérien, le Tchad est un pays qui regorge de nombreuses potentialités et son pays reste disponible à accompagner le gouvernement de transition dans sa politique de réforme, surtout dans les activités visant l'entrepreneuriat. L'Union européenne a célébré hier 9 mai 2022 la journée de l'Union européenne. Plusieurs personnalités, dont les membres du gouvernement, ont honoré de leur présence cette célébration. À cette occasion, le représentant de l'Union européenne au Tchad a indiqué que l'Europe a fait d'énormes efforts à travers le monde. Adou Mangana Adou. De l'Europe de 8 au départ à l'Europe de 12, voilà aujourd'hui cette institution se retrouve avec 27 pays en son sein. C'est dire que le vieux continent a vite compris la nécessité de s'unir pour faire face
aux défis de la mondialisation. C'est l'ancien ministre des Affaires étrangères de la France, Robert Schumer, qui a lancé l'idée de l'Union européenne, précisément le 5 mai 1950. Pour convaincre les membres d'accepter cette idée, Robert Schumer a lancé une vaste campagne d'explication et de sensibilisation auprès des pays membres pour faire, bien évidemment, accepter cette idée de regroupement dans cet espace. Le premier à intervenir est l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la France au Tchad, Bertrand Koucheny, qui a aussitôt valorisé le bilan, l'émergence de l'Union européenne après 72 ans d'existence au niveau des pays membres. Un peu plus haut niveau d'abord, une coopération gagnante-gagnante dans le continent asiatique, africain, les pays Caraïbes et en Amérique latine. Pour le représentant de l'Union européenne, Kurt Corneli, le vieux continent doit substantiellement continuer son aide dans le domaine militaire, économique et la résilience. Les Tchadiennes et Tchadiens aspirent à un futur meilleur, avec une économie inclusive et performante, une pluralité politique avec des garanties institutionnelles suffisantes, une société dans laquelle tous ces citoyens vivent ensemble, d'une manière paisible et sans peur d'injustice et de violence, et avec le respect d'égalité de genre. Bref, les valeurs que nous partageons au sein de l'Union européenne et dont Robert Schuman parlait déjà en 1950. Pour rappel, la coopération entre l'Union européenne et le Tchad se porte bien. Selon la plus haute autorité de transition, c'est l'Agence française pour le développement à travers le bureau du Tchad qui coordonne l'aide au développement. Le secrétaire général du ministère de la Santé publique, Ismaël Bar Bachar, a reçu ce mardi des mains du chargé des programmes des maladies tropicales un don composé d'une Hilux 4x4 et des médicaments, un don remis dans le cadre du programme national de lutte contre la lèpre et les médicaments pour le programme national d'éradication du ver de Guinée. L'action pour l'éradication de la maladie de ver de Guinée et la lèpre passe nécessairement par le renforcement des infrastructures sanitaires. Ainsi, l'Organisation mondiale de la santé octroie des médicaments pour la lutte contre les maladies tropicales négligées au Tchad, un véhicule au service du programme national d'éradication du ver de Guinée. Pour le chargé des programmes des maladies tropicales, Dr Ibrahim Diomboro, l'action de l'OMS vise à accompagner la politique du gouvernement en matière de santé sur le plan des ressources humaines et matérielles. La création d'une unité de coordination au sein du ministère de la Santé publique pourrait aider dans ce sens pour, d'une part, mobiliser davantage des ressources et, d'autre part, utiliser efficacement ces ressources. Pour sa part, le secrétaire général du ministère de la Santé publique, Ismaël Bar Bachar, apprécie l'acte posé par l'Organisation mondiale de la santé et invite les partenaires à suivre cet exemple. La déclaration ou les engagements pris à Abu Dhabi par l'ensemble des pays en voie d'élimination et les pays qui sont endémiques, c'était justement de faire des innovations dans la lutte. En particulier, améliorer l'accès à l'eau, améliorer également la collaboration avec les communautés qui parfois vivent dans des zones un peu reculées et difficiles d'accès. Ces médicaments et équipements participent à la prise en charge de la maladie du sommeil, le tout pour une valeur estimée à hauteur de 25 millions de francs CFA. C'est l'amélioration de la supervision des activités sur le terrain qui est visée. Le gouverneur de la province du Wadaïa, Ibrahim Ibn Omar Mamad Saleh, a présidé à Béché la réunion de plaidoyer et la mobilisation en faveur de la campagne de vaccination contre la polio prévue du 13 au 15 mai 2022 dans la province du Wadaïa. Souleymane Ousmane Bougaï. Cette rencontre d'une journée regroupe les délégués de différents services déconcentrés de l'État, le leader religieux, le partenaire du ministère de la Santé et le membre des organisations de la société civile de la place, vise à sensibiliser ces derniers pour que cette campagne connaisse un succès.
Dans sa présentation, le délégué sanitaire provincial du WADA, Dr Abdel Mahmoud Chen, a fait savoir que la poliomyélite est une maladie grave qui paralyse les enfants. Le seul moyen pour épargner les enfants de cette maladie handicapante est la vaccination. Le gouverneur de la province du WADA, Ibrahim Ibn Omar Mahamad Saleh, a dans son intervention laissé entendre que le gouvernement de la transition attache une importance particulière à la santé des enfants et pour preuve l'organisation de la prochaine campagne de vaccination contre la poliomyélite sur toute l'étendue du territoire. Cette campagne organisée avec l'appui de nos partenaires traditionnels du système de santé sera également synchronisée avec quelques pays limitrophes. Sachez que cette campagne sera lancée le 13 mai prochain et concerne plus de 3000 enfants âgés de 0 à 59 mois. L'Office national pour la promotion de l'emploi, ONAPE, antenne de Barel-Gazal, a organisé une session de formation à l'intention d'une centaine de femmes demandeurs d'emploi. C'est le gouverneur de la province, le général Loum Inaïssou Leïna, qui a présidé la cérémonie d'ouverture. Ahmad Ali Daladou. Venues des quatre coins de la province, ces femmes, membres des groupements, seront formées en technique d'élaboration et de gestion des micro-projets. Formation organisée par l'ONAPE, Office national pour la promotion de l'emploi, antenne du Bahr el-Ghazal. Le chef de bureau de l'ONAPE Moussouro, Abakar Béchir Wori, a situé l'objectif de cette assise tout en demandant aux apprenantes d'être participatives. Le gouverneur de la province du Bahr el-Ghazal, le général Loum Hinansou Laina, apprécie cette formation à sa juste valeur. Cet atelier, faut-il le souligner, est le lieu tout indiqué d'outiller les femmes de la province afin de monter leurs projets pour solliciter des financements auprès de l'ONAPE et ce, dans le seul et unique objectif de réduire, d'une part, le taux de chômage et d'autre part, de valoriser des activités féminines, politiques prônées par les plus hautes autorités du pays avec à l'avant-garde le président du Conseil militaire de transition, président de la République, chef de l'État. Rappelons que cet atelier durera 10 jours et regroupe 100 femmes membres des groupements. Et puis après les alertes faites par une organisation non gouvernementale sur les réseaux sociaux, le gouverneur de la province du Kanem, Ousmane Ibrahim Djuma, a effectué une visite à Mondo dans le département du Sud-Kanem où il s'est rendu dans le centre de traitement des enfants en situation de malnutrition. Mamad Omar Warouf. C'est suite à une alerte faisant état d'une situation alarmante au sein de l'unité nutritionnelle thérapeutique UNT de Mondo lancée par une association locale que le premier magistrat de la province effectue ce voyage. Aussitôt arrivé, le gouverneur Ousmane Ibrahim Djuma et sa suite ont visité cette structure sanitaire chargée de prendre en charge les enfants sévèrement malnutris et ce, pour constater de visu la situation qui prévaut. Mais après une visite guidée, il relève que la situation n'est pas aussi alarmante que celle-ci signalée sur la toile. À cet effet, Ousmane Ibrahim Djuma a interpellé non seulement cette association à faire preuve de professionnalisme dans ses publications, mais aussi et surtout les autorités administratives, sanitaires et sécuritaires du Sud-Kanem à doubler d'efforts afin que les enfants admis à l'UNT soient effectivement pris en charge. Les questions de l'eau, de la sécurité des personnes et de leurs biens ainsi que de l'urbanisation de la ville de Mondo n'ont pas été perdues de vue par le gouverneur du Kanem. D'eau, nécessité absolue qui doit vraiment avoir des réponses dans un bref délai. Le gouverneur a visité les bureaux de la préfecture et le chantier de l'hôpital départemental de Mondo. Une forte pluie s'est abattue hier lundi à Massenia, faisant plusieurs dégâts dans la ville. Les autorités ont fait une descente sur les lieux pour constater les faits. Les détails avec Nodiam Rosinkorodi. La saison des pluies s'annonce déjà à Massenia, dans la province du Chari-Bagirmi. Des maisons écroulées, laissant des familles sans abri et les arbres déracinés. Une situation qui oblige les autorités à effectuer le déplacement dans les différents quartiers pour constater de visu les dégâts causés par cette pluie diluvienne. Yakoura Maloum, point focal de la solidarité nationale de la province du Chari-Bagirmi, déplore le sort des femmes et des enfants abandonnés à la merci de
la nature. Le préfet de Massénia, Hassan Chérif, constate avec amertume les dégâts matériels qui résultent de cette forte pluie accompagnée d'un vent violent. Il réconforte moralement toutes les victimes de ce que l'on pourrait qualifier de catastrophe naturelle. Candidature du professeur Ali Souleymane Dabi au poste de secrétaire général du CAMES. Après l'Afrique de l'Ouest, les émissaires tchadiens sont allés à Kigali, au Rwanda et à Bujumbura, au Burundi. Docteur Ali Waïdo, ministre de l'Enseignement supérieur et le conseiller à la présidence Boukar Michel, sont porteurs du message du président du conseil militaire de transition, général Mamad Idriss Déby Itno, à son homologue rwandais, Paul Kagame. Il sollicite ainsi le soutien de la candidature du professeur Ali Souleymane Dabi au poste de secrétaire général du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur CAMES. Le message a été donc remis au ministre rwandais des Affaires étrangères, Vincent Buruto, en présence de sa collègue de l'Éducation nationale, docteur Valentine. Au Burundi, c'est le conseiller du chef de l'État chargé des mines qui a donc reçu le message du président Mamadou Idrissé Déby Itno. La suite de cette édition avec ce point de presse du président du Conseil national du patronat tchadien Bichara Doudoua. C'était donc hier après-midi au siège de l'organisation. Face à la presse, il a dénoncé la raréfaction du gasoil depuis un certain temps sur l'étendue du territoire national, un véritable obstacle pour les installations industrielles et autres services courants. Je vous propose de suivre un extrait de ses propos proposés par Adoumbé Hortense. L'occasion a été donnée aux différents membres du Conseil national du patronat tchadien présents pour exprimer leurs préoccupations spécifiques qui se résument à l'impossibilité de s'approvisionner en gasoil. Les marketeurs disent que la raffinerie et l'ARSAC n'arrivent plus à répondre à leurs commandes et se contentent de les inciter à l'importation du gasoil. Or, tout le monde sait que le carburant importé coûte excessivement cher, voire indisponible. Il revient à cette plateforme, sous la houlette du régulateur, d'importer la quantité nécessaire pour améliorer l'offre en gasoil au niveau de la raffinerie. Il s'agit autant de maintenir les prix du carburant à la pompe auquel le ministre tient, tout autant de garantir la fourniture de carburant à nos exploitations respectives. Par conséquent, le Conseil national du patronat tchadien appelle à la responsabilité du gouvernement pour faire prendre à l'organe de régulation toutes les dispositions nécessaires afin de sauvegarder l'intérêt public. Et puis une page noire au bas de ce journal, le corps sans vie de Hadji Ashta Gagé, maire du président du Conseil national de transition, Dr Haroun Kabadi, est acheminé à Sarre hier, lundi 9 mai. Il a été inhumé à Gila, à Gondoré, son village natal, en présence des autorités civiles et militaires qui ont fait le déplacement pour compatir avec la famille de la regrettée. Mahmoud Moussa About. Il est exactement 12 heures lorsque l'avion transportant la dépouille mortelle de la mère du président du Conseil national de transition, Dr Haroun Kabadi, Hadji Ashta Ngagé, accompagné du docteur lui-même et d'une forte délégation, est atterri à l'aéroport de Sarre. Accueilli par le Conseil supérieur des affaires islamiques du Mont Chari, dirigé par son président, Cheikh Saadeddin Omar Abderoudial, le corps sans vie de Madame Hadji Ashta Ngagé est passé par la maison familiale au quartier Bigou de Sarre avant que le cortège funèbre prenne la direction du village Gila Gondoré dans le département du lac Uro où elle est inhumée. C'est lundi 9 mai 2022. À 15h. Rappelons que la mère du président du Conseil national de transition, Hadji Ashta Ngagé, est décédée le 4 mai dernier en Djamena, des suites d'une maladie. Toutes nos condoléances à la famille endeuillée. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de votre très aimable attention. Je vous retrouve demain avec le même plaisir. Bonsoir.